Salut Herman. Bonsoir. Herman, vous avez un prénom à consonance presque germanique. Oui. Mais vous ne venez pas du tout d'Allemagne, vous venez du... Du Congo-Brazzaville. Du Congo. Oui. Et vous êtes en France depuis quand? Environ 4 mois. Environ 4 mois? Oui. Vous suivez des études ici? Oui, je poursuis des études en relations internationales et commerce international. Et si vous êtes ici ce soir, Herman, c'est que vous vivez une histoire assez étonnante. Vous êtes amoureux? Oui. Vous êtes amoureux, mais c'est pas ça qui est étonnant, Herman. Et on va le voir tout de suite en image. Vous êtes amoureux d'une jeune fille qui est aujourd'hui une jeune femme que vous connaissez depuis 10 ans et pourtant vous ne vous êtes jamais vue. La terre d'Afrique et son soleil brûlant, un autre monde à des milliers de kilomètres de la France et de Stéphanie. Herman vit ici depuis toujours et c'est à l'âge de 10 ans que son école lui propose une correspondante française. Alors commence l'histoire. Les années passent et rien ne l'arrête. Défilé de longues lettres, de récits, des morceaux de vie. Une complicité subtile, unique, tisse sa toile d'intimité. Les confidences affluent sur le papier blanc, passerelle de mots entre deux continents. On ne peut plus se passer des mots qu'on s'envoie, d'une écoute, d'une parole, d'un conseil, d'un soutien. À chaque fois, on attend la prochaine lettre comme un soleil de plus. Les années passent, Herman et Stéphanie continuent à s'écrire. On surmonte le cap de l'adolescence à deux. Rien ne semble pouvoir défaire ce lien qui les unit, tant il est important à leurs yeux. Et même quand la guerre envahit le Congo, Stéphanie se bat contre des frontières invisibles pour prendre des nouvelles de son ami. Herman est à des lieux de penser que cette jeune femme qui a grandi, même s'ils ne se sont jamais vus, est peut-être la femme de sa vie. Mais brutalement, les mots s'arrêtent, faute d'adresse, alors Herman comprend que peut-être ses sentiments ont évolué, comme eux-mêmes ont grandi. Il arrive en France il y a quelques mois et un seul sentiment le brûle, rencontrer celle qui est entrée dans sa vie il y a 10 ans. Ce soir, des milliers de mots, rendez-vous pour la première fois avec la découverte d'un visage et d'un « je t'aime ». Belle histoire. Oui, c'est une... ben ouais, c'est une très belle histoire. Comment est-ce qu'on peut, Herman, et je pense que c'est ce que vous vous demandez chez vous en regardant Herman ce soir, comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un avec qui on a certes un long passé, parfois plus long même que les relations habituelles, 10 ans c'est énorme, mais qu'on n'a jamais vu? Ben, je pense qu'il y a une dimension que tout le monde ne perçoit pas lorsqu'il s'agit d'une correspondance, il y a une dimension spirituelle, il y a un échange de fluides et je pense que c'est à travers ça que mes sentiments ont changé, se sont transformés, c'est passé brusquement, brutalement de l'amour, de l'amitié à l'amour. Est-ce que vous lui avez déjà dit, on a vu que vous êtes échangé des dizaines, des centaines de lettres, oui. Est-ce que vous lui avez déjà fait part de vos sentiments dans vos lettres quand vous lui écriviez? Non, je n'ai jamais osé parce que déjà au début je me suis attelé à nier ce sentiment parce que quand même... Pour vous-même? Oui, à mon propre niveau. En fait, je me suis rendu compte que quand même, le fait qu'il y ait deux continents qui nous séparent, cette distance-là rendait très improbable la déclaration d'une flamme à une femme qui est aussi éloignée de vous. Donc c'est pour ça que vous avez attendu et différé tout ça. Entre-temps, vous avez éprouvé des sentiments, je suppose. Vous avez quel âge, Herman? 22 ans. 22 je vais ans. Avoir 22 ans aujourd'hui. J'ai eu 22 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon anniversaire, c'est une soirée doublement importante. Oui, c'est vrai. Donc vous avez, à 22 ans, je suppose, éprouvé des sentiments pour d'autres jeunes femmes déjà, que ce soit en Afrique ou peut-être même ici en France. En Afrique, oui, une ou deux fois. Et ça ne vous a pas fait oublier pour autant cette correspondante avec laquelle vous aviez des relations si intimes de façon épistolaire? Non, je ne pense pas, parce que c'est très paradoxal. En même temps, il y avait ces deux continents qui nous séparaient. D'un autre côté, j'ai toujours eu l'impression qu'elle a grandi avec moi, qu'elle m'accompagnait dans chacun de mes pas. Et d'ailleurs, dans mes relations amoureuses, puisque je lui en parlais dans mes lettres, elle était tout le temps là pour me donner des conseils, pour me réprimander, pour me tirer les oreilles chaque fois que j'agissais mal envers mes petites amies. Ah oui? Oui. Donc vous savez le mode d'emploi maintenant? Oui. La concernant? Oui. Herman, est-ce que vous dites qu'elle vous donnait des conseils, voire qu'elle vous grondait un petit peu? Oui. Par rapport à ce que vous faisiez dans votre vie sentimentale, est-ce qu'elle vous parlait à vous de sa vie sentimentale? Oui. C'est curieux, je ne pense pas, non. Non, elle ne m'a pas trop parlé de sa vie sentimentale.
ben, c'est son choix. Peut-être qu'elle n'en avait pas, peut-être que c'était un choix personnel, mais enfin, ma foi, non. Mmh. Je pense que c'est... en général, c'est l'inverse. C'est les filles qui parlent beaucoup et les garçons qui écoutent, mais là, c'est elle qui m'a écouté. Vous n'avez jamais vu Stéphanie, et pourtant, vous avez toujours sa photo sur vous, paraît-il, c'est vrai? Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais bon, je pense que... on est un peu informés quand même. Ben oui, j'ai toujours une petite photo d'elle sur moi. C'est une photo qu'elle vous a envoyée quand elle avait 16 ans, je crois, c'est ça? Je ne sais plus trop, mais bon, ça remonte à peu avant la fin de 98, 99, par là. Là, vous n'avez pas de nouvelles concrètement d'elle depuis combien de temps? Un peu plus d'un an déjà. Plus d'adresse, pas de téléphone? Vous n'arrivez plus à la joindre? Non, pas du tout. Alors, vous nous avez demandé, Herman, de la retrouver, de retrouver Stéphanie, de lui porter votre invitation à venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Mm-hmm. Vous connaissez notre messager. Elle est blonde, elle s'appelle Rebecca, regardez. Bonjour, nous sommes à Lagny-le-Sec, à une centaine de kilomètres au nord de Paris, et c'est ici que vit Stéphanie. Je vais lui remettre cette invitation. Allons chez elle, en espérant qu'elle accepte notre invitation. Sera-t-elle là? Je ne sais pas. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Stéphanie? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. C'est la première fois que vous la voyez en mouvement, si j'ose dire. Oui, c'est la première fois. Et vous l'imaginez comme ça? Vous l'imaginiez comme ça? Oui, j'avais déjà une très vague idée grâce aux photos, mais bon, de la voir comme ça bouger, ça m'émeut. Elle vous séduit toujours? Oui, beaucoup. Est-ce que vous pensez que quand elle va voir, si elle a répondu favorablement à notre invitation, oui, votre visage, mm-hmm, apparaître dans l'écran, d'abord, est-ce qu'elle va vous reconnaître et qu'est-ce qu'elle va imaginer? Ben, si elle va me reconnaître, je pense que oui, parce que même si j'ai physiquement beaucoup changé durant ces 4 dernières années, ouais, je pense qu'elle va me reconnaître et si elle sera heureuse, oui, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle sera très très heureuse de me voir. Donc heureuse de vous voir et de retrouver son correspondant, est-ce que oui, vous croyez qu'elle peut être heureuse d'entendre ce que vous avez à lui dire? Franchement, je n'en sais rien, mais j'espère. Qu'est-ce que vous allez lui dire d'ailleurs concrètement? Est-ce que vous allez lui dire, voilà, je suis en France, j'aimerais qu'on prenne des relations, qu'on ait vraiment des relations, qu'on se voit, qu'on commence à faire des choses ensemble? Ou est-ce que vous allez lui dire « je t'aime et je veux qu'on sorte ensemble » Ben, il faudrait peut-être pas aller trop vite en besogne. Pour ce soir, je vais lui dire tout simplement que je l'aime, c'est tout. Ah ben, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Et que c'est la femme de ma vie. Oui. Mais que va-t-elle répondre? Et a-t-elle répondu, Pascal? Ah ben déjà, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est aux côtés de Rebecca? Nous le souhaitons. Herman? Oui, je le souhaite aussi. Et nous allons le savoir dans quelques fractions de secondes, si vous voulez bien rester ici. Le temps pour nous de traverser le plateau le plus vite possible. Tout de suite. Pendant que le rideau se referme. Rebecca a quitté sa doudoune hivernale d'un rouge flamboyant. Et elle est avec nous dans la loge. Rebecca? Je suis avec vous dans la loge sans la doudoune. J'ai entendu le mot doudoune. Oui, j'ai dit rouge flamboyant. Ah! Et je suis en compagnie de Stéphanie, ah, qui est venue. Stéphanie, comment ça va? Stressée, j'ai pas dormi de la nuit, mais bon. Alors voilà, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Est-ce que je peux voir votre main gauche? Oui. Parce que je lis un petit peu dans les mains, moi. Je suis comme ça maintenant. Alors à voir. Vous avez une très très belle ligne de chance, hein, et une très belle ligne de cœur aussi. Et ça, c'est... Et il y a une ligne qui ressemble vachement à un couloir. Donc je pense que c'est le moment de vous lever. Donc je vous demande de vous lever. Et Sam va vous accompagner dans le couloir. La vérité est au bout du couloir. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Un peu stressé, mais ça va. Non, ça va. Venez. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Asseyez-vous là, regardez. Ça va bien se passer, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez notre émission? Je peux pas la regarder parce qu'elle passe tard, malheureusement. Ah! Et que vous vous levez le tôt.
Voilà. D'accord. Vous connaissez néanmoins le principe. Vous savez que si vous êtes là, si Rebecca est allée vous voir chez vous pour vous porter cette invitation, c'est que quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui veut absolument vous parler ce soir. Petite idée ? Un petit peu, ouais. Ah ouais. J'hésite entre deux personnes, mais... On peut savoir qui ? J'hésite entre ma meilleure amie et mon meilleur ami qui est congolais. Votre meilleure amie qui est française ? Ouais. Et un meilleur... Et qui s'appelle ? Mélanie. Mélanie. Alors vous savez que bien qu'elle passe tard, cette émission a quand même quelques moyens, notamment celui d'aller dans la rue pour raconter l'histoire à des personnes qui veulent vous donner des conseils, des avis. Est-ce que vous voulez, Stéphanie, avoir un petit témoignage ? Oui. Alors regardez. Stéphanie, le destin fait bien les choses. Qui vas-tu croiser sur ton chemin ? Est-ce que vous croyez au destin, Stéphanie ? Plus ou moins. Vous croyez que les choses, vous faites partie des gens qui pensent que les choses sont écrites d'avance et qu'il suffit de suivre sa voie, ou vous pensez qu'on choisit chaque fois un peu ? Je pense qu'on choisit chacun quand même un petit peu. En fonction de ce que le destin vous amène. Voilà. Et vous êtes quelqu'un qui aime bien justement un peu donner des inflexions à ce qui se passe, agir sur la vie, ou vous laisser porter par les événements ? Non, j'aime bien agir. Est-ce que vous voulez un deuxième indice, un deuxième témoignage ? Oui. Alors, regardez à nouveau l'écran. Stéphanie, loin des yeux ne veut pas forcément dire loin du cœur. Est-ce qu'il y a dans votre entourage des gens qui sont loin des yeux et près du cœur ? Ouais. Beaucoup. Beaucoup ? Ça vous aide, ces indices ? Pas vraiment. Loin des yeux, près du cœur, ça vous aide pas ? Un petit peu, mais j'hésite toujours entre les deux personnes. Ah, toujours entre Mélanie et votre amie qui s'appelle ? Herman. Herman. Et en tout cas, pour vous, la distance n'efface pas les sentiments ? Absolument. Est-ce que vous voulez savoir, Stéphanie, qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau ? Bien sûr. Bien sûr ? Je suis là pour ça. C'est sûr ? Ouais. Ouais, on y va ? Ouais. Alors, regardez l'écran. C'est pas Mélanie. Une chance sur deux. Vous connaissez ce garçon ? Oui. Enfin, vous le connaissez ? Par les lettres et par le téléphone. Photo ? Oui. Donc vous le reconnaissez ? Oui. Stéphanie, vous attendiez donc à 50-50, on va dire, à ce que Herman soit de l'autre côté de ce rideau. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Herman est venu vous dire ce soir, Stéphanie ? Bien sûr. Oui ? Vous avez une petite idée ? Non. Non. Herman, est-ce que vous êtes prêt à mettre des mots sur l'absence de petite idée de votre amie Stéphanie ? Oui, je suis prêt. Alors, c'est à vous. Ben, Stéphanie, bonsoir d'abord. Je suis vraiment très contente de te voir. Et de prime abord, j'aimerais te rassurer. Ma démarche n'a pas de but très particulier. En fait, on se connaît depuis pas mal de temps et tu sais qu'on est de très grands amis, on est de très bons amis. Et donc, tu sais que dans ce domaine-là, on n'a rien à se prouver. Mais si je t'ai invité ce soir à cette émission, c'est pour te dire que depuis quelques années, depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans mes sentiments à ton égard. Depuis un certain temps, à un certain moment de ma vie, j'éprouvais de drôles de sensations lorsque je devais avoir de tes nouvelles. Et lorsque je pensais à toi dans la journée, j'étais tout chose. Et au début, je pense que j'ai dû nier un peu cette évidence-là. Je l'ai nié longtemps et à un certain moment, je te dis tout de suite, toutes les cellules de mon corps se sont accordées pour dire que c'était de l'amour. Puis voilà, je n'ai pas osé te le dire dans les lettres parce que je trouvais ça assez impersonnel. Et d'un autre côté, je pensais aussi que c'est les deux continents qui nous séparaient pouvaient être un frein à l'expansion, à l'évolution de ce sentiment. Mais quelque part, au fond de moi, je nourrissais le secret espoir d'arriver un jour en France ou que toi, tu viennes en Afrique pour que je puisse te le dire de vive voix. Et
Il y a une grande amie à moi qui s'appelle Stéphanie qui m'a dit un jour dans ses lettres que lorsqu'on on souhaite quelque chose, il suffit d'y croire très fort, très fort. Et peut-être qu'un jour, son rêve se réalisera. Et donc le mien, mon rêve s'est réalisé aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 22 ans, parce que je suis là, en face de toi, en train de te dire que je t'aime. Voilà. Un garçon qui sait parler aux femmes, hein, à 22 ans. J'ai bien aimé le coup des cellules de votre corps. belle façon d'exprimer ce qu'on ressent parfois. C'est sûr. Bref, Herman s'est offert ce soir un joli cadeau d'anniversaire. En nous demandant de vous faire venir sur ce plateau pour vous dire effectivement toute l'affection, la tendresse et l'amour qu'il éprouve pour vous. Ça va ? J'en pleure. Ouais, on voit, oui. Vous vous attendiez à cette démarche de sa part ? Absolument pas. Il paraît que vous lui aviez souvent donné des conseils sur sa vie sentimentale. C'est vrai. Mais je ne pensais pas que c'était vis-à-vis de moi, alors là... Vous êtes tout ému, remettez-vous. Stéphanie, vous ne vous attendiez pas vraiment à cette déclaration ? Pas du tout. Ni à trouver Herman de l'autre côté de ce rideau ? Ah non. Vous connaissez le principe de cette émission, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau. Stéphanie Herman est venue ce soir vous dire, tout d'abord, je suis en France, arrêtons cette relation par lettre et voyons-nous, créons une vraie relation. Mais plus encore que ça, je suis amoureux de toi, j'ai des sentiments d'amour pour toi et je voudrais que nous entamions donc une relation, non seulement amicale, mais amoureuse. Stéphanie, vous savez que vous avez la totale liberté ce soir de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir si vous acceptez la proposition d'Herman. Vous avez eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous décidez ? L'ouvrir. Vous ouvrez ? Oui.